grand ciel bleu. Tous ces trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Bonjour à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Thank you.
Eh bien salut à tous mes très chers Padawan, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Far Cry 5, le nouveau jeu d'Ubisoft. Donc c'est la toute première, après cette superbe introduction, on a pu voir donc que ça se passe dans le Montana avec une espèce de secte de malades qui a pris le pouvoir. Donc ce que je vous propose, c'est que nous allons continuer en fait petit à petit, on va faire le let's play et donc découvrir le mode histoire. Alors déjà, si j'ai pas parlé au début parce que c'était introduction, je pense, j'ai vu que ça allait se lancer et tout ça, c'est pour ça que j'ai pas parlé. Mais si vous avez bien vu, en fait c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que l'on voit ça dans Far Cry. Mais en tout cas on a pu choisir entre un homme et une femme. Donc déjà ça c'est nouveau, c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant on va continuer la suite tout simplement. Donc c'est parti. Dans l'église, suivez-moi. Bon, jusque là ça va, hein. Les contrôles sont plutôt simples. Hey, par ici. Reste cool, ok? Qu'est-ce qu'ils font là? Du calme. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Ouais, tous armés, hein, bien sûr. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Non, de Dieu. Portez des insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. Ah ça va, Ubisoft qui garde les mêmes points d'objectif qu'Assassin's Creed, non, ça va pas nous dépayser à mon avis. Ouais, c'est l'heure de la messe. Les Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris. C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Oh oui. Ça va bien se passer, comme d'hab. Ça va aller. Oui. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Oh, fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ah bah ça ils se passe bien. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Une bonne tête de taré. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis dans une voix semblable au tonnerre l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Mais pourquoi moi? Dieu ne vous laissera pas faire. Non! Non, non, non! Parfois la meilleure des options. C'est de faire demi-tour. Et voilà, le jeu est fini. Non, je rigole. Allons.
Allons-y. Ouais. On peut être si simple. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. Vous on va droit. Je suis dessus. On vous laissera pas. Non, vous n'avez pas le droit. Restez sur la voie, petit. Ouais, l'environnement sectaire est bien reproduit, hein. Exactement ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Reculez, reculez. Tout le monde recule. Laissez-le. Bouge-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. Reculez. Je vous ordonne de reculer. Rangez ça. Ah, ça y est, ça fait caillassé. Ça commence. Et voilà. Si près du but. Ah, bah ouais, là. Ah bah voilà. Was blind, but now I see. Ouh, bah ça promet, hein. Oh, j'ai hâte. Oh oui, j'ai hâte. Allez, prends-le! Prends ton casque! Voilà. On a l'air d'être suspendu. Ça y est. Earl! Répondez à vous! T'as les grosses de taré, mais fous-moi la paix, toi! Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez! Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre. Oui, Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. On y perd. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Ah ben ouais, c'est ce que je vois. Vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi... Les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Sortez-y. Que la récolte commence. Sortez-y. Laissez-la. Ils sont vraiment tarés. Seigneur Dieu, faut qu'on arrive à se tirer d'ici. Qu'il brûle. Et moi personne m'aide. Ah, l'autre il se barre, personne m'aide. Oh, allez, vite, je sais pas où je vais mais j'y vais, hein.
T'inquiète, pour courir, je cours, je galope. Ah, c'est bête, hein, mais je suis tout bêtement le chemin. Oh. Faut marcher dans l'eau, comme ça ils ne vont pas me repérer. Non, c'est bon. Hop. Ouais, bon, c'est comme Assassin's Creed, hein. Accroupissez-vous. Ok. Ah, prendre, il y avait un truc. Une pelle. Ah, bah oui. Bah tiens, une pelle. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Mathieu. Ça va pas du tout. Ils l'ont pris par surprise. Voilà, et je peux même t'exécuter apparemment. Tiens, hop. Allez, dégage. Oh, punaise. Oh, je vais prendre ça. Ça, c'est pas mal. Petite patte. Pile. Ok, je sais pas à quoi ça sert, mais je prends tout. Hein. Mais où est-ce qu'il faut aller? Bah voilà, tout simplement. Bah oui. T'as rien, toi? Ok, on a l'objectif qui est là-haut. Si jamais quelqu'un m'en sort, il reste des survivants. Bon, j'ai qu'un simple pistolet, donc on va pas faire le guerrier, hein. Là, c'est pas le moment de faire le cow-boy. Allez. Voilà. Et voilà. Oh non, Steve. Merde. Désolé. J'ai cru qu'ils avaient... Allez. Bah non, il m'a fait rien du tout. Pendant que tu t'enfuis comme un lâche. Merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Oh oui, merci. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici avec toute la garde nationale et on se débarrassera de ce qui reste. Pas de problème. Okay. On amènera les Avengers aussi. Attends, bro, ouais. Attends. Oh oui, ça va péter. Attends, mais ils sont... Oh la vache, on va se mettre à l'abri quand même. Voilà. Hop. Ah mais attends mec, hé hey, t'as qu'un pistolet là, faut pas le guerrier. Voilà, une petite tête. Mais il est déjà KO ou je rêve là? Ouais bah à l'aide, t'es gentil bro.
Le mec il se barre comme ça comme un guerrier là, il s'est pris pour un... Hop. Oh non, bah ouais mais je me fais shooter là. Ok, alors... Ah ouais bah j'arrive. Ah non, c'est devant, excuse-moi. Vite. Qu'est-ce que tu fous? Faut qu'on se tire ici. Devant. Attention. Allez. Vite. Roule, bro. Tout va bien? C'était du bon boulot. J'y serais passé sans toi. Faut qu'on y retourne. Voilà. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain, mon outil. Hey, j'aime bien l'objectif. Survivez. Ah, on essaye. Oh non, ils ont barré les routes. On va dégager tout ça. On va dégager tout ça, t'inquiète pas. Dynamite. R1, ok, c'est R1. Hop. Ah moi je veux bien hein, mais c'est pas une grenade hein le truc, faut la... Hop. Une petite dynamite par là. Je suis en train de prendre cher les mecs. Oh la vache, ouais, dégage. C'est un truc de ouf, ils sont partout. En fait, je sais plus où viser tellement ils sont partout. Ils sont partout, les mecs, c'est un truc de ouf. Oh putain. Oi. Putain. Ouais, devant, derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, ils sont partout. Oh shit. Attends, j'espère que tu sais nager. Ah bah voilà. Mais je rêve ou il s'est encore barré sans moi? C'est un bon mec. Mes enfants, nous devons rendre grâce au Seigneur. Le jour dont j'ai fait la prophétie. Est enfin. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Ah. Mon père, mon
Ah non, lui c'est un bon, lui. Le vrai drapeau américain, c'est bon. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Ah ouais, bah, ce que je te dis. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Ah, bah ouais. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer. Ah, mais il me refait un relooking, c'est stylé. T'as raison, bro. Ah, c'est fringue, c'est ça? Ah ouais, ah bah oui. Bon, mes amis, on a fait une belle introduction sur Far Cry 5. On a vu que ça va péter dans tous les coins. Ça déboîte. Ça déboîte, j'ai hâte. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on va continuer dans une prochaine vidéo la suite. Donc, de cette magnifique petite histoire de Far Cry. Franchement, le début est pas mal. J'aime bien sur la secte et tout. C'est nouveau déjà. Et ça promet d'être stylé. Ça promet vraiment d'être stylé, surtout avec l'autre barjo. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez! Je vous dis à plus les amis, salut !